Salut, salut à tous. Et le match que nous allons suivre sera une opposition entre Lille et Bordeaux. Une affiche dont on ne sait pas trop quoi attendre. Hein. Soit des matchs très fermés, soit complètement dingues. La composition des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. L'une des caractéristiques de cette équipe, Pierre, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Ouais, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. On va suivre ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde, c'est annoncé pour 43 000 places. Ouais. Le LOSC qui a connu de bons résultats en championnat de France à partir de la fin des années 2000. Ouais, cinquième en 2009, quatrième en 2010, champion en 2011, troisième en 2012, à nouveau troisième en 2014. La régularité est là. Pour arbitrer ce match, monsieur Benoît Taillade. Le match débute, engagement donné par les Girondins de Bordeaux. Thiago Maia. Ibrahim Amadou. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Nicolas Depréville. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Meïté. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Ibrahim Amadou. La frappe. Le gardien sauvé par son poteau. Benoît Costil. Ibrahim Amadou. On va passer par tenir au deuxième poteau. Le ballon qui navigue toujours là. Un coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute. Repousser le coup franc. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur.
Un corner bien. Ah oui, le bon ballon là. Oh là là, on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match. Ouais, on l'a senti un peu en panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. Il va perdre le ballon sur ce dégagement. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Il faut du jeu abandonné. Ça ne passe pas, c'est porté par le défenseur. C'est le dégagement qui file en touche. Ibrahim Amadou. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Le ballon qui est sorti, sorti de but. Ces images, on voit bien qu'on était vraiment tout près du but. Un bon ballon d'attaque. Choisis la frappe. Oh, le poteau! Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Bon jaillissement sur cette passe. Bordeaux qui va bénéficier d'un corner. Corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Nicolas Depréville. Ça n'ira pas plus loin. Il est en la borde. Youssouf Sabali. Il perd le ballon. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très, très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Cette grosse occasion à nouveau. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. On s'approche du but. Le centre sur le poteau. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Les touches à proximité de la surface. Un
bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Et l'arbitre qui n'hésite pas, qui désigne le point de pénalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Poser de questions sur ce penalty. On voit la course d'élan et le but. Ah, et le gardien qui doit s'incliner sur ce penalty. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ce sont les Lillois qui mènent. Meïté. Le long de la ligne de touche. Ibrahim Amadou. Ah, c'est mal dosé, ça va faire touche. Meïté. Allez, dans le couloir. Nicolas Depréville. Gomaya. Les 30 derniers mètres. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Yacine Benzia. Et c'est sans problème pour le gardien. Oui, aucun souci pour capter cette tête. La bonne tête. On s'approche de la zone de vérité. Ah, ça joue vers l'avant. C'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Fin du temps réglementaire. On est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. Il est en la borde. Un bon ballon d'attaque. Est-ce ce ballon qui traîne? Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Les Lillois qui donnent le coup d'envoi de la seconde période. Il est en la borde. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Et ainsi Benzia. Thiago Maia.
Il avance encore. Il s'avance vers la surface. Thiago Maia. Il prend sa chance. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein. Le jeu, c'était pas là. Girondin, ils vont essayer de construire une attaque. Au centre peut-être. Allez, il y a du monde pour reprendre. On va chercher un tarte. Une pote qui finit dans les bras du gardien. Ouais, faute, mais l'arbitre. Oui, oui, faute absolument. Ah, l'entraîneur, il ose en tout cas. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Ah, ça ne passe pas. Malcolm. Elle a peut-être une bonne occasion. Maïté. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. François Camano. Est en la borde. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Youssouf Sabali. Maïté. On écarte le jeu. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. C'est bien donné une fois de plus. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Ça part bien, action dangereuse. Ah ouais, c'est bien fait ça. Allez, ça sort, ce sera un corner. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ah, elle n'était pas facile, cette passe en profondeur. Valentin Lada. Yacine Benzia. Attention, ça peut être dangereux. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Le corner. L'arbitre qui siffle contre le mouvement. Maïté. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah oui, il cherche le bon ballon. Ah oui, magnifique la parade du gardien. Le corner pour permettre peut-être à cette équipe de recoller au score.
corner adressé au niveau. Meite. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Il s'avance vers la surface. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Allez, le ballon tendu, hein, sans problème pour le gardien, ce centre. Ibrahim Amadou. La passe est interceptée. Les 30 derniers mètres. La défense qui maîtrise la situation. Ibrahim Amadou. François Camano. Les Girondins vont essayer de construire une attaque. Bien bloqué par le latéral, ce centre. Et le public qui pousse, Pierre. Hein. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, visiblement, il y croit et c'est bien. Ibrahim Amadou. On s'approche du but. Non, ça ne donnera rien, sortie de but. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Interception, plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Ouais, bien joué, il a fait l'effort là-dessus. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu, de peu, mais hors jeu. Il ne faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. Ouais, on passe par les côtés. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. Meite. Attention, il a du champ devant lui. Yacine Benzia. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ibrahim Amadou. Ballon dans l'axe, attention. Une belle occasion qui s'envole et ses coéquipiers qui ne sont pas très contents. Ah, c'est justement sur ce genre d'action qu'il faut s'appliquer et pas se précipiter comme il vient de le faire. Meite.
On va en rester là dans ce match. C'est terminé. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.